Me revoilà! Je suis tellement en pleine forme. Oh là là, ça fait du bien là. Oh, mes allergies, elles m'ont tuée. Je suis contente du coup ce matin, pas de montage. Donc j'ai pu travailler sur mon projet vidéo. Je suis trop contente, j'ai grave avancé. Je commence à avoir vraiment plein d'idées, de plans. Tout commence à vraiment se former. Ça va être trop trop bien vraiment, genre... J'espère que je vais réussir à réaliser ces images comme c'est dans ma tête. Mais ça m'a trop remotivée là, je suis surax. Et donc ce matin, je nous ai concocté une activité plutôt sympa. C'est... Je refais des photos Pinterest. Bien sûr sur le thème de Noël. Franchement, si vous aimez faire des photos un peu style, un peu fashion, lifestyle et tout, je vais trop vous montrer comment faire. Alors voilà, là, l'activité de ce matin, faire les photos Pinterest, c'est complètement différent du shooting de Noël. Hein. Le shooting de Noël, ça va vraiment être un gros shooting en mode magazine. Là, c'est vraiment plus genre pour son Instagram ou pour s'amuser ou voilà quoi. Où allons-nous? Sur Pinterest. Non mais à cause de mon générique, regardez ce qu'il me propose. Bah voilà, j'avais déjà écrit mais en gros faut marquer Christmas photoshoot. Voilà, nous pour le shooting de Noël on va partir sur un truc un peu plus comme ça, comme ça. Mais là nous on veut faire du lifestyle. En vrai ça c'est pas mal, c'est un peu élaboré quand même. Mais là voilà, je veux vraiment vous faire les photos un peu simples on va dire. Non, là c'est un peu trop élaboré, je vais revenir en arrière. Ah voilà. Voilà, typiquement, voilà, c'est ce genre de photo qu'on veut. Donc déjà, on va voir un peu ce qu'il nous faut. Déjà, il nous faut une tenue de Noël, ça j'ai au studio. La tasse de Noël, ça je l'ai ici, je vais la récupérer. Les chaussettes de Noël, ah ben je les porte. Donc il faut que je les récupère. Donc ouais, ce qui revient le plus c'est une tasse, un pantalon, des chaussons, chaussettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des lumières. Ah oui, les lumières, ça revient tout le temps, mais pareil, j'en ai chez moi. Oh, ça donne trop envie de partir. Oh, c'est tellement beau, je sais pas où c'est. C'est grave beau, je sais pas si c'est en Russie ou en Bulgarie, je sais pas, ou en Allemagne. Et évidemment, ce sera des photos au téléphone, hein. Donc là, je vais préparer mes affaires, m'habiller et on file au studio. Et coucou ma beauté! Comment elle va ma beauté? Oh, je suis trop contente. Justement, en parlant de mon projet de film, il y a une scène que j'aimerais qu'elle se passe dans un concert, et j'avoue que c'est assez tendu de recréer un concert tout soi-même quoi. Et du coup je suis trop contente, j'ai vu un événement sur les réseaux sociaux qui arrive genre ce week-end. Donc vraiment je suis choquée de moi, genre d'habitude hyper timide, genre j'ose pas grand chose et tout. Bon sauf quand je vais à la Fashion Week ou à Cannes parce que j'ai l'adrénaline et tout. Mais pour ce genre de trucs, les projets professionnels, un peu timide et tout, et genre là je suis trop fière de moi, genre j'ai réussi à contacter l'organisateur, il a parlé de mon projet, genre du coup bah ça dérange pas et je vais pouvoir filmer mes plans. Ouais, je suis trop contente et je suis trop fière de moi là. Genre c'était une scène qui m'angoissait de ouf parce que je savais pas comment j'allais l'organiser et tout, et là je suis trop. À part ça, j'ai reçu le premier cadeau de Noël que j'ai commandé. En fait, je nous ai pris un petit truc pour Bébou et moi. C'est qu'en gros, à chaque fois qu'on mange, ben, on a soit du sopalin, soit du PQ pour s'essuyer. Donc, je nous ai commandé sur Etsy. D'ailleurs, je connaissais pas trop. C'est trop bien, en fait. J'ai compris, genre, le principe, comment ça marche et tout. Et je vous ai commandé des petites serviettes brodées avec nos initiales. Donc, moi, F et lui, P. Elles sont trop belles, tu pouvais choisir la couleur de ta broderie, le style d'écriture. Et moi j'ai bien aimé la florale comme ça, incroyable, j'adore. Du coup, je vais les mettre dans une petite boîte au sapin. Je vais les mettre dans la blanche.
Faudrait que j'achète un autre truc quand même. Mettre dans la boîte. Bon allez, sur ce, on va commencer les petites photos. Donc déjà, numéro 1, mettre une tenue de Noël. Par contre, j'ai oublié mon plaid, je l'aurais bien foutu par terre là. Ou alors, j'ai mon tapis rouge. Mon tapis rouge de star quoi. Bon, voilà ma petite installation. Ensuite, il vous faut un trépied comme ça pour téléphone. On a déjà le mood. Ok, faut que je récupère encore des petites lumières et on va commencer avec cette photo. Il est vachement haut, c'est ça qui est dommage. Je pense que ça va. Ensuite, on va faire la fille de dos. Alors là, il va falloir mettre le trépied. Il me faut un nœud rouge dans les cheveux. En vrai, il y a quelque chose, c'est cute. Du coup, pour la coiffure, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me faire une couette. Et ensuite, de toute façon, on s'en fout que ce soit beau de devant. Je vais d'abord faire une couette normale et après je vais l'entourer du ruban. Je sais pas si ça va rendre bien. Et donc là, il nous faut le trépied. J'ouvre l'application Lens Buddy. Et donc comme ça. Oh, mais c'est super moche. Ça rend pas du tout bien. C'est super moche. Mais comment je vais faire? Oh mon dieu, je suis sûre que c'est moche. En vrai, il y a quelque chose. Non, franchement, il y a quelque chose. Je vais essayer de m'allonger. C'est pas du tout logique que je m'allonge comme ça à côté de mon sapin, mais bon. Genre la photo n'a aucune logique. Qu'est-ce que je foutrais là vraiment? Mes cheveux sont trop beaux par contre avec le nœud. Oh, et franchement, il y a quelque chose. Oh non, je meurs de rire, c'est hilarant. Allez, maintenant on va faire la dernière image. Pour la dernière photo, comme on va voir que le haut, je vais mettre mon pull de Noël. Et j'ai évidemment le serre-tête. Là par contre ça va être facile. Hop, on a juste à mettre ça. Et je vais prendre ça et je vais faire le truc cliché. Je vais faire genre... Ils sont tout petits, c'est ridicule. Attends, il m'en faut un autre là. Bah attends, mais je vais m'asseoir en fait. Hein. Ah voilà. Et c'est moche. Pourquoi c'est moche? C'est trop laid putain. C'est genre... Kitsch à mort quoi. Et je me lance. Bon du coup voilà les photos que j'ai gardées. Je vais vous montrer comment je fais pour retoucher les photos en mode lifestyle. Parce que c'est pas n'importe comment. Bon déjà moi je retouche sur Teza. Après vous pouvez retoucher sur d'autres applications. Et moi j'aime bien. Déjà... La lumière, l'exposure à fond. Enfin, pas à fond, mais... Ensuite, tu vas dans Shadow, les ombres. Tu les montes. Pas à fond non plus, mais tu les montes, tu les montes, tu les montes. Ensuite, tu vas dans les highlights, la lumière. Les hautes lumières. Pareil, tu peux pas la baisser à fond, mais... Tu la baisses, tu la baisses. Voilà. Ensuite, les couleurs. Bon, là, déjà, franchement, avec ce qu'on a fait, c'est bien coloré. Les couleurs. Donc tu vas dans HSL, le jaune, tu baisses la saturation. Ça c'est la règle numéro 1 des photos lifestyle, tu vois. Tu baisses, bon pas à fond parce que sinon c'est... voilà. Et tu la baisses, voilà, moins 30. Un peu moins, moins 20. Tu peux un peu mettre de luminance dessus si tu veux, mais voilà.
dis ça, tu peux mettre un peu orange, donc on va faire comme ça. Et voilà. Ensuite, tu peux copier la retouche et la coller. Et voilà. Alors là, il y a, vous voyez, les blancs, ils sont vraiment trop cramés. Donc je baisse un peu la luminosité. Voilà. Voilà. Et je colle sur celle-là. Yeah, ça tue. Et voilà. Et du coup, vous voyez là, la logique des trois images à côté, comme c'est canon. Genre, imagine là, tu vas dans ton feed. Tu vois ce que je veux dire? Ça te fait un pur feed là, hein. Tu fais que des photos après comme ça. Voilà, je viens de rentrer à la maison. Non mais il fait nuit tellement tôt, genre c'est choquant, genre choqué. Et du coup là, ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même pas mal de temps avant la danse ce soir. Donc en fait, ce que je vais faire, le tournage que j'ai fait au début des Vlogmas là, de moi au piano qui chante. Je vais commencer à m'occuper de ça. Je suis en train de faire le montage, c'est super nul. Oh, je sais pas comment je vais faire. Tu te dis toi que t'en fais jamais assez. Et tu fais mieux. De toute façon, c'est jamais assez. Y'a que les autres autour qui réussissent. Et toi, tu passes ta vie à rêver. C'est nul. Je crois qu'il va falloir filmer d'autres trucs parce que là, c'est pas possible, hein. Bon bah rien n'y fait, je déteste tout autant. Donc faudra retourner un autre truc complètement différent parce que là ça me plaît pas du tout. Mais alors pas du tout. Non mais c'est bien hein, que ça arrive, au moins ça prouve que on n'y arrive pas toujours du premier coup, que des fois on fait un tournage et ça va pas du tout, il faut tout refaire, un autre jour, une autre organisation. Ah ouais non là je trouve ça horrible. Donc voilà, là je viens de rentrer de la danse, j'ai mangé une salade verte et voilà, là je vais essayer de faire le maximum de montage et après je vais me coucher et voilà. Donc je vous souhaite maintenant une très bonne nuit et je vous dis de toute façon à demain, bisous. Mouah.